Hey, coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mois, nous avons la box dog qui revient. Et là, c'est la box du mois de janvier. Donc je suis avec mon petit doudou. Oh, voilà le gros bébé. Les gros bébés et moi, nous allons ouvrir cette magnifique box de janvier. Tu fais un bisou? Alors, il est plus intrigué par ma couronne. Tu veux pas faire de bisous? Ah, mon bisou. Alors bébé, regardons ça ensemble. Comme d'habitude, le petit Wolf Mag qui nous raconte plein de choses sur cette box. Lisons ensemble. Il nous montre comment faire de jolis petits nœuds pour notre chien. Il nous montre des petits mots serpentins. Bon, ça par contre, je pense que c'est pour nous, c'est pas pour le chien. Et comme d'habitude, la photo des copains. Alors, dans cette box, nous avons... Ah, toujours aussi belle. Tadam, tadam, tadam. Allez, bah non, je vous ai pas spoil. Tu viens ou pas, mon chien? Allez-y. Jump! Ah, moi, j'aime bien commencer par les jeux. Alors, on commence par un petit jeu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit chacha mignon? C'est un petit... Non, mais... Eh, je peux le présenter avant que tu lui sautes dessus? Oh! Alors, lui, il fait pouic, mais alors, il rigole pas quand il fait pouic, hein. C'est pas comme le canard handicapé de la dernière fois. Là, il fait un pouic qui résonne... Il fait un pouic qui résonne, mais c'est quelque chose, hein. Je pense que les voisins vont l'entendre, même le chat qui est là-bas installé dans son couffin, il est en train d'entendre et il s'est rapproché genre « Qu'est-ce que c'est que ça ?» T'es prêt mon chien? T'es prêt à aller chercher? T'es prêt? Oui? Va chercher! Oh. Direct! Rapporte! Non, il est parti planquer. Et ben voilà comment on perd son chien. Il est parti faire pouic pouic dans le salon. Néo? Néo, on n'a pas fini! J'aurais pas dû le donner en premier celui-là. Vous vous en doutez bien, j'ai dû aller chercher mon chien qui était resté coincé sur Pouic Pouic. Oui, tu vas le récupérer tout à l'heure, mais on n'a pas terminé nous. On n'a pas terminé de présenter la box. Alors ça, je crois que c'est son jouet préféré depuis super longtemps. Doucement. C'est pour qui ça? Ah, je vais peut-être l'attirer avec un peu de miam miam. Et le chat aussi, il a direct entendu le bruit du paquet, il s'est dit eh, moi aussi j'en veux, moi aussi. Alors c'est quoi ça? Small, medium, adult. Alors ça s'appelle... Urkanuba. Et c'est des petites friandises pour chiens adultes de 1 à 7 ans. Donc c'est bon, nous on a dépassé les 1 an il n'y a pas très très longtemps. Il est totalement excité. Donc là il est reparti chercher son jouet là. Bon. Néo! Alors ça se présente sous petite forme de croquette comme ça, on va voir s'il aime bien. Néo! C'est pour qui ça? Bon, et ben je suis désolée, ce jeu a eu un tel succès que mon chien refuse de sortir de sous le canapé. Il est accroché à son chat Pouic Pouic. Donc bah, j'ai récupéré mon chat pour m'aider à terminer cette box, qui a bien voulu m'accompagner puisque lui il comprend pas tous ces pouettes pouettes tut tut. Donc voilà, je l'ai récupéré avec moi. Je sais pas s'il va rester, je sais pas, je vais essayer de lui faire des petites gros groutes pour pas qu'il s'en aille, mais même lui il a envie d'aller jouer. Bah non. Bon, et bah je vais continuer cette vidéo toute seule puisque j'aurais pas dû commencer par le jeu. Alors il y a un autre jeu, donc je pense que celui-là aura moins de succès puisqu'il fait pas pouic pouic, mais je le trouve quand même super drôle puisque c'est un cigare. C'est un cigare en jeu, donc c'est bien parce que ce sont des jeux qui sont super résistants. Là il va pouvoir mordiller de tous les côtés, donc ça c'est vraiment bien. Et puis sa forme est assez drôle, donc j'imagine bien mon chien le tenir dans la gueule comme ça. Voilà, bon, je ne fume pas, mais peut-être que mon chien aimera les stogies. C'est assez rigolo, j'aime beaucoup. Alors ensuite on passe aux produits. Donc ça c'est du multivitamine. Hop, un petit multivitamine pour son chien, c'est toujours bien, surtout après, là c'est vrai qu'il fait encore froid, on est dans une période où les animaux sont encore un petit peu fragiles, comme nous, on tombe malade, donc c'est toujours bien d'avoir des vitamines, et après il y a plein de petites choses à manger. Alors ça, c'est l'air d'être à base de bananes, je trouve ça génial. Hop, on a un premier comme ça, ça s'appelle des Creamy Centers, avec de la Real Banana. Donc on verra si mon chien aime bien, en tout cas moi j'adore avoir ce genre de petites friandises. Là j'en ai une autre, soyez les dents, ça tombe bien, je sens de chez le dentiste. Et ça aussi c'est vrai que c'est chouette. Ah bah ça y est, il est revenu. Eh bien, j'ai pas menti, il ne le lâche plus. Bon, je vais le laisser derrière moi parce que je sens que là c'est peine perdue pour le faire remonter. En tout cas, des petites friandises quand il a fait quelque chose de bien. Ici aussi on a des petites choses à manger, alors ça c'est quoi? C'est à base de pommes, décidément, de pommes et de poulet. Voilà, donc ça s'appelle, c'est de la marque Les Filous, Chicken and Apple. C'est une barre, une sorte de petite barre protéinée. Doucement, on va pas tout casser ton jeu, tu viens peine de l'avoir. Je crois qu'il a déjà une oreille en moins. Alors c'est ça qui est terrible avec mon chien, c'est qu'il est très vif.
Et du coup, ils cassent tout. Et on a un super magazine. Alors ça, c'est le premier mois où j'en reçois un, donc je trouve ça pas mal. Ça s'appelle Le Monde des Animaux. Donc là, c'est sur le panda géant. Apparemment, il y a d'autres animaux aussi. Et c'est la 4e édition internationale, donc c'est le numéro 6 des animaux. Et donc on va pouvoir s'informer, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a un chien qu'on n'est pas forcément intéressé par les autres animaux, et c'est chouette de pouvoir voir. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? L'écureuil roux, les suricates, les créatures XXL et le désert américain. Ben voilà, je crois que j'ai terminé pour cette box. Je crois que j'ai récupéré une oreille. Voilà. Mais mon chien est heureux, c'est le principal. C'est de toute façon des box qui sont là pour leur faire plaisir. Donc je suis contente. Puis j'aimerais bien qu'ils viennent vous dire un petit au revoir. Voilà, on fait un grand bisou, on vous fait plein de léchouilles. Et on vous dit à très vite. Ah, oui, tu vas l'avoir ton jeu. Oui. Allez, vas-y. Allez, ciao, ciao, à bientôt.